question sur le temps de travail. Par exemple, la réduction du temps de travail. On a beaucoup parlé en France, et aussi ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent à l'étranger savent qu'en France, on applique les 35 heures. Est-ce que vous, en tant que patronne des patrons, vous êtes favorable à la suppression pure et simple des 35 heures? C'est mon idée. C'est l'idée que je défends depuis le premier jour où j'ai été élue présidente du MEDEF, c'est que la durée du travail ne soit plus définie d'une manière uniforme par la loi et ad vitam aeternam, si je puis dire. 2000 pour les 35 heures. C'est-à-dire que la durée du travail doit être définie par accord conventionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise. La durée du travail optimum n'est pas la même dans une PME de service et dans une PME de l'industrie, dans une grande entreprise du CAC 40 ou dans une TPE. Mais comment fera-t-on si on supprime la durée? Parce que ça revient à supprimer la durée légale du travail, donc ce qui était quand même une protection qui était assurée, une garantie qui était donnée aux salariés. Oui. Comment fera-t-on dans à peu près la moitié des entreprises où il n'y a pas de syndicat pour négocier sur la durée du travail? Alors, il y a toujours des façons de négocier où vous pouvez avoir un référendum dans l'entreprise ou ponctuellement désigner des représentants pour négocier. Mais de toute façon, la plupart de ces entreprises sont rattachées à des branches professionnelles et il peut y avoir une définition et une négociation au niveau de la branche. Les deux sont possibles et on peut combiner les deux. Mais ce qui compte, c'est de sortir de cette durée uniforme, durée légale. Et c'est important pour la compétitivité. Vous encourageriez votre successeur à mettre cette question sur la table, par exemple, de la conférence sociale qui va avoir lieu fin juin? Mais justement, il se trouve que je serai moi-même encore en charge pour conduire la délégation du MEDEF et je vais mettre ce dossier sur la table de la conférence sociale. Si on veut rétablir la compétitivité de notre pays, cette voie-là, celle de la durée du travail, est une des voies...